3 morts en une seule journée, 8 blessés, un enfant de 11 ans tué. Vendredi dernier restera une journée noire sur les routes de l'Aisne. Et pourtant, depuis le début de l'été, les forces de gendarmerie multiplient les contrôles aux points stratégiques du département. Des hommes en bleu en colère, lassés de l'inconscience des conducteurs, comme ce midi sur la départementale 1. Nouvelle interpellation, mais toujours le même constat. Un monsieur d'une soixantaine d'années qui n'a pas fait attention à la vitesse. Il roulait à combien ? Donc, cette personne roulait à 131 km/h enregistré à l'appareil. Au lieu de 90. Donc c'est une personne qui était un petit peu dans ses pensées parce qu'elle allait voir sa maman à l'hôpital. Mais c'est une imprudence qui aurait pu amener le pire. Tout simplement, qui aurait pu l'envoyer lui également à l'hôpital. C'est pas de l'énervement, c'est de la révolte. De la révolte quand je vois un enfant de 11 ans tué sur la route. Voilà. Et pas de prise de conscience derrière ce drame. Quelque peu désarmés, les gendarmes font face au constat. 22 blessés, 5 morts et une dizaine d'accidents supplémentaires par rapport à 2009. L'été 2010 est pour l'instant meurtrier dans l'Aisne. Les chiffres sont en augmentation dans le département, mais il n'empêche qu'il n'y aura pas de fatalité parce que nous allons poursuivre, renforcer le nombre de contrôles. Déjà, les contrôles sont nombreux, tant en termes d'alcoolémie qu'en termes d'excès de vitesse, et nous allons encore poursuivre notre action. Il faut absolument sortir de cette spirale et revenir dans une situation plus classique, moins dramatique. Plus de contrôles, donc, en attendant un jour une véritable tolérance zéro. Selon les gendarmes, seul un arrêt des panneaux annonçant les radars automatiques et une interdiction totale de l'alcool au volant pourra réellement venir à bout du drame des accidents de la route. Mais à ce jour, le législateur n'a toujours pas pris cette décision.